Yo les potes, c'est Crazy, j'espère que vous allez bien. Donc le temps que la partie charge, je vous fais la petite vidéo d'intro. Donc je vous laisse quelques images du live. Ça a plutôt pas mal avancé en une heure de temps, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à venir le vendredi soir à partir de 21h, 21h30, ça dépend, j'ai pas vraiment d'heure, mais c'est entre 21h et 21h30, je suis en live sur YouTube. Une heure sur la campagne Angevine et une heure sur l'élevage breton. Donc n'hésitez pas à venir pour voir l'avancée, même si je vous mets quelques images rapides au montage pour la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite après les images du live. Maintenant, donc jusque 22h30 sur la campagne Angevine et de 22h30 à 23h30 sur l'élevage breton. On pourra acheter la parcelle là pour mettre les chevaux dedans, tiens. On va aller revendre tout ce qu'on a fait ici. Forêt, c'est trop bien. Bah on y va après les 2 heures de live farming. Ouais, c'est ça, c'est comme tous les gens qui me demandent si je lance en Twitch, je lance en Twitch, ils gagnent 5 minutes. Oui, parce que dès qu'il y a une pub. Après, je suis chaud, hein, mais faut que vous restiez, quoi, si vous voulez que je l'aille sur. Faut partager le live un max, histoire qu'il y ait un max de monde, quoi, parce que. S'il y a personne, après, hein, chier de faire des lives, il y a personne, hein, vraiment, les gars. C'est pas méchant, mais. Je vais péter un câble. Alors, vraiment, je lance la partie, je me dis, allez hop, c'est parti, on va pouvoir tourner. Y'a plus de bâtiment. Y'a plus rien, j'ai plus de véhicule, y'a plus rien. Y'a les fermes. Y'a la ferme de Rémi. On va aller au musée, moi. J'ai plus rien. On a tout perdu, les gars. On a tout perdu. Donc, bah, je sais pas comment faire. Le musée, c'est mort. Bah, tout est mort, en fait, en gros. Je suis dégoûté. Je vais essayer de restaurer une backup. Je vous promets rien. Attendez, j'aurai des backups. Je vais essayer de restaurer une backup. Je ne promets rien. Le problème, c'est que j'avais avancé hier en live. Donc, je vais essayer de récupérer la sauvegarde du live d'hier. On va bien voir ce que ça donne. J'espère pouvoir faire quelque chose. Si on peut rien faire, tant pis. Je pense que ce sera du coup malheureusement la fin prématurée de la série. Donc on tournera. Enfin, je sortirai cette vidéo rapidement quand même, du coup. Mais les dernières images qu'on aura, ce sera celle du live, tout simplement. Et puis voilà. Je suis dégoûté parce que j'étais tellement hype. On avait bien avancé, j'avais investi et tout. On avait encore de l'argent, on pouvait encore investir dans un peu de matériel peut-être, ou peut-être quelques champs, pourquoi pas. Mais là, du coup, bah, il n'y a plus rien. Je suis dégoûté. Là, franchement, je suis dégoûté. Je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Ce que je vais faire, c'est que. Alors. Je vais essayer de lancer la sauvegarde en solo pour voir si elle apparaît. J'ai pas supprimé mes mods, j'ai rien touché, donc c'est bizarre. Je vais essayer, je vais faire quelques manip, essayer de restaurer une backup, pourquoi pas, et on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi à restaurer la sauvegarde d'hier soir après le live. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, j'ai installé des nouveaux mods, et il doit y en avoir un qui est en conflit avec ce que j'ai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder, là tout de suite, je sauvegarde. Je quitte, je vais relancer avec les nouveaux mods. Je vais voir si j'ai encore un problème, les bâtiments ne s'affichent plus. Si c'est dû à ça, il va falloir que je cherche quel mode est bugué. Mais le problème, c'est que c'est un mode du mode hub. Donc, il faut commencer à se poser des questions. Bref, encore une coupure, on se retrouve tout de suite. Bon, du coup, pour vous prouver, là, j'ai sauvegardé juste avant. Et là, je relance. Allez, les bâtiments ont encore disparu, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, nulle part, c'est vide de chez. Donc, il va falloir que je regarde quel mode pourrait me faire bugger. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être lequel. Mais c'est bizarre. Donc, je regarde à ça et on se retrouve tout de suite une fois que j'ai réglé le problème et on part sur le tournage et je vous explique ce qui aurait pu se passer. Bon, du coup, ça y est, j'ai trouvé. Il y a plein. Alors, j'ai supprimé plein de mods du coup que j'avais rajouté. Tant pis. Mais au moins, comme ça, on est tranquille. La sauvegarde est là. On ne recommence pas à zéro.
On ne change pas de carrière et on continue celle-là. Donc pour ceux qui ont du coup suivi le live, vous avez vu en direct, on a investi là-dedans. Donc dans les chevaux, il me reste 272 000 euros. J'ai pas acheté chevaux encore. Ça ne va pas tarder. Hein. On va pas se mentir, je ne vais pas tarder à les acheter. D'ailleurs, je cherche le trigger et on est parti. Alors, on peut en mettre 16 dedans. Donc 1, 2, 3, 4. Il y en a 8. On peut en prendre 2 de chaque. Ça me coûterait 5. Alors, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 000, 8 000 euros. Ça peut être envisageable. On en prend 2 de chaque. Hop. Comme ça. Toc. Hop. De toute façon, ils vont être promenés tout seuls. Celui-là, j'ai pas acheté. Hop. Hop. Toc. Allez, hop. Et voilà, comme ça, on a nos 16 chevaux. C'est impeccable. Donc, ça m'a coûté un petit paquet de pognon. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, bon, je vais pas pouvoir les nourrir, malheureusement. Parce que ben, j'ai pas. J'ai plus rien. Faut qu'on refasse. Faut qu'on refasse. Donc, bah voilà. Mais on a investi. On a investi. Ça y est, enfin. On pourrait racheter encore du matériel. Alors, pour moi, sur cette exploitation-là, c'est pas très utile. Je vous explique pourquoi, c'est une exploitation céréalière. On a le matos. On a le matos. Et d'ailleurs, tiens, là aussi, on va agrandir le champ. On va agrandir le champ jusqu'à peu près par ici. D'accord? Et on va peut-être en racheter un parce qu'il nous reste 259 000 euros. Donc, ça serait pas mal si on pouvait racheter un petit champ, voire même un beau champ. Celui-là est pas mal cher, mais il est pas mal grand et il nous permettrait. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a dedans actuellement. Alors, on peut tenter un coup de poker. Soit j'attends qu'il y ait un champ à proximité qui soit semé et je l'achète, comme ça me fait un gain de temps pas possible. Et ça pourrait être pas mal du tout. Soit je l'achète de joie comme ça et il y aura. Oh, là, il est semé. C'est du trèfle. Fais chier. Fais chier, je voulais pas du trèfle. J'aimerais bien de l'avoine un peu pour mes chevaux. Là, c'était de la betterave sucrière. On n'a plus rien qui est semé. Le problème, c'est que. Alors, attendez. On va vérifier un truc. Là, je ne peux rien semer, de toute façon, quoi qu'il arrive. Là, on va arriver au mois de. J'achèterais bien une benne d'avoine. Je pense qu'on va acheter une benne d'avoine quand même pour nos chevaux. On a des sous. On va peut-être en profiter pour en acheter une. Je vais atteler quel tracteur hein? Le premier qui vient. Hop, le doute. Tac. Hop, on démarre. On viendra finir. De toute façon, on va finir le chantier de travail des sols. Ah, les gars, ça c'est sûr, ça, dans cette vidéo-là, il faut qu'on ait fini. Et alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de passer avec le tracteur et la benne dedans. J'espère qu'on est large, parce que les entrées sont vraiment pas larges et on a du gros matos quand même. La benne est plutôt pas mal grande. Donc, et ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais bon, c'est pas grave. Où est-ce que je pourrais acheter de l'avoine? Ou alors, ce qu'on fait, simplement, hein, on regarde le prix qui coûte actuellement. C'est logique, hein. On regarde le prix qui coûte actuellement. Alors, l'avoine actuellement, elle est repris. Ouais, on va prendre le plus cher quand même. 1600 euros des 1000 litres. Hop, F12. Si je la remplis. D'avoine, j'ai 36 000, donc 36 ma calculette s'il te plaît, 36 fois 1600, ça fait 57 600 euros. On va s'enlever 57 600 euros. Voilà, comme ça j'ai acheté ma benne d'avoine, je suis tranquille, je vais pouvoir nourrir mes chevaux et il me reste 200 000 euros pour pouvoir acheter une parcelle. J'espère ne pas tout claquer dedans. Oui, c'est pareil, on a investi dans un nouveau silo et à mon avis, on va stocker le reste parce que je ne mettrai pas tout dans la grange. Enfin, dans le parc des chevaux. Ok, ça passe au niveau de la porte là. On va voir après au niveau de la deuxième porte, j'y crois moyen. Hop, allez. Eh, on en met pas mal quand même, hein. J'ai bien fait d'en prendre une benne. Bah oui, bah oui, ah bah oui, heureusement j'en ai pris une benne. Parce que dis donc. Ils vont bouffer. Oh oui.
Oh la vache. De toute façon, là, la benne, j'en ai pas besoin. Les poules, ben, j'ai plus de blé pour les nourrir. Donc, tout est dans la. En gros, tout est dans le poulailler. On a 100 000 litres. J'ai tout mis dedans dans le dernier épisode. Donc, voilà, comme ça, on est tranquille. Les chevaux, ben, j'ai le mode qui s'en occupe tout seul. Ça va être impeccable. Et là, du coup, je vais laisser la benne ici. En vrai, elle va faire amplement le taf. Et du coup, on a déplacé les maisons. Ouais, parce que Rémi en ce moment ne vient plus, il ne joue plus la farming, il a plus la. Enfin, on va pas dire qu'il a plus la hype, mais il est un peu lassé, comme je disais dans les précédents épisodes. Donc du coup, bah j'ai revendu ma maison hier en live. Et là, du coup, bah hop. Voilà, on a investi dans une maison ici. Qui est plutôt sympathique. Franchement, je pourrais pas dire le contraire, plutôt sympa. Maison de ELK Mountain. Très, très bon modeur. Alors, j'ai plein de modes de E d'ailleurs, parce que eux, ils font beaucoup de ranch. Et d'ailleurs, les entrées viennent d'eux également. Et le garage va avec cette maison-là. Ils ont fait se parler une maison plus grande, avec un garage plus grand, le garage double, pour ceux qui voient de quoi je parle. Et en vrai, c'est plutôt. Ils sont vraiment incroyables en mode. Hein. Question de ça, on ne peut rien dire. Donc, voilà. Juste petite parenthèse. Alors, j'ai envie de m'acheter une voiture. Je sais bien que c'est pas très utile. Mais il y a des moments où je me dis que ça pourrait être utile pour traverser la map, aller d'une ferme à une autre, même si on s'est TP, c'est vrai que. Voilà. Du coup, je ne sais pas si j'achète une voiture ou pas. Dites-moi en commentaire si on doit acheter une voiture. Peut-être pas un pick-up. On peut juste acheter une petite voiture, hein, toute simple. Après, c'est vrai que les pick-up, quand on regarde le prix, bon, j'ai revendu le mien. D'ailleurs, je vais faire ça pendant le live. Je ne l'ai pas fait, donc j'en profitais maintenant. J'ai peut-être ce moment-là d'ailleurs, mais c'est pas bien grave. Hop, on a tout ça à ramener. Donc au musée, toc, toc, on va taper le matériel comme ça se sera fait. Voilà, je vais pas vous faire ça en accéléré parce que ça va vous donner mal au crâne. Je vous fais un petit cut, je mets tout ça et on se retrouve tout de suite après. Bon, du coup, ça y est. J'ai remis les voitures ici, du coup j'ai fait un petit point pour les voitures. On va laisser le tracteur ensemble, donc voilà, là il y a le tracteur, et puis là, ici on mettra les moissonneuses qu'on a utilisées. Après on fera des points hein, spécifiques un peu, mais je pense qu'on va pas changer de matériel tant que ça non plus à partir de maintenant, on va essayer de garder un maximum. Ensuite, j'ai peut-être pas tout à fait fini en plus. Ouais, si j'ai fini, c'est juste que bah, là j'aurais dû mettre quelques armes, mais on verra quand il y aura le prochain truc. Et là, j'aurais peut-être dû remettre ici quand même, juste pour dire que voilà, il y a quelque chose. Alors, toc, toc, et toc, voilà. Là, on va mettre un peu de lumière, toc, comme ça, histoire qu'on les voit de nuit et qu'on puisse se déplacer en ayant de la lumière. Il faudrait qu'on vienne voir, dès qu'on accélère le temps, ce que ça donne de nuit. Ça pourrait être pas mal à voir. En vrai, je pourrais déjà même accélérer le temps parce que quoi qu'il arrive, les semis, c'est pas maintenant. Ah non, c'est pour avancer le temps. Donc, on a le temps. Donc, en vrai, go voir ce que ça donne de nuit. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Vraiment. Ok. Bon, on est déjà de nuit. C'est pas mal, hein. En vrai, ça pète, hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Sauf la moissonneuse. Alors, les moissonneuses, il va falloir trouver un autre moyen. Parce que là, ça, on voit. Que dalle. Alors, décoration, lumière. Je les mettais en bois. Comme ça. Toc. Toc. Ah, ça m'emmerde un peu de le mettre en coin devant, mais peut-être pas avoir le choix pour qu'on la voit bien. Toc. Ah oui, là on la voit déjà mieux. Alors, les moissonneuses, oui, à mon avis, il va falloir bien les éclairer comme il faut. J'aurais pu mettre des grands projecteurs, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Voilà. Alors, là, au moins, on la voit. Ça rend super bien. Les tracteurs, on les voit bien dès qu'on se rapproche. On les voit à peu près. On les voit à peu près. Je sais pas si j'ai des petits projecteurs, logiquement. Si, je devrais avoir ça. Non, on n'en a pas. C'est étonnant. Est-ce que dans décoration, j'aurais pas des petits projecteurs qui se mettent au sol là? Projeter de la lumière dessus, ça pourrait être beaucoup mieux, je pense. Mais alors, je sais pas si je vais avoir ça. Ça va être un autre détail.
Bon, j'ai tellement de décorations que s'il faut que je me retape toute la liste. Bon, allez, 5 minutes. Mais j'ai pas que ça à foutre. Hein? Il y a du boulot à la ferme, quand même. Hein? Il est difficile. Je sais pas, j'ai des trucs comme ça. J'ai des trucs, je vous jure, j'ai des trucs. Je sais même pas, je découvre. En même temps que vous. Hein? Alors, je passe tous les jours dehors. Hein? Je suis souvent dans le menu de déco, mais là. Alors là. Ouais, à mon avis, j'en ai pas. Je dois pas en avoir. Non, c'est bon. De toute façon, si c'est pas dans la lumière, va falloir que j'en télécharge. Ah, c'est pour que ça me fasse bugger, ça va aller 5 minutes. Pire, c'est pas bien grave, tant pis. Non, mais c'est bon. C'est sûr. Non, non, rien, tant pis. C'est pas grave. Donc, on va accélérer le temps jusqu'au temps qu'il fasse jour. On va être au mois d'août. Hop, voilà, 7 h du matin, il fait jour. Non, on change de ferme. Tac. Non. Hop, on va aller rateler notre petit culti. Alors, je vais faire une. Ah, si ils ont été semés, bah non, ils ont pas été semés, à mon avis. Les champs, c'est sûr. On va regarder quand même. Bah non, ça ne peut pas être semé en avoine. Dans ce sens, si j'ai aucune certitude qu'il y ait de l'avoine, donc ça se trouve, enfin, je passe un coup de culti. Donc, ça, c'est un coup de. Enfin, c'est un coup de poker, hein, réellement. Et soit j'achète et on est tranquille. Parce qu'il y a déjà de l'avoine, soit j'achète au risque de devoir passer un coup de cutie pour pouvoir ressemer derrière. Pour avoir à ressemer derrière, donc à mon avis. De toute façon, les avoines sont récoltées, logiquement. J'ai pas envie d'aller chercher un champ trop loin, j'aimerais bien rester dans ce secteur-là. Au moins, acheter tout ce secteur-là, on pourrait déjà même limite acheter le champ 11. On en est. Il est où? Voilà, c'est le petit champ qui est là. Et ouais. En vrai. Ce serait pas déconnant. Hein. Le raccorder. Raccorder celui-là avec celui-là. Péter le chemin. Raccorder lui. Ouais, bah, je crois que ça va finir comme ça en vrai. Toc. On va juste abattre cet arbre qui va nous gêner. Après on passe sur une grosse session accélérée parce que ça fait un petit bout de temps que j'ouvre ma bouche pour parler. Après on a eu quelques aléas. Bon, ça arrive. Donc, ouais, on va faire comme ça, je pense. J'ai deux champs à créer. Alors, ce que je vais vous faire, c'est je vais vous mettre ma POV en accéléré et après, on passe sur la POV accélérée vue de haut avec les deux tracteurs qui sont au culti. Donc, je pense qu'on n'arrive pas à la vidéo à la fin de la session de travail du sol. Et ce sera déjà pas mal. Donc, on se retrouve tout de suite. Bon, du coup, je reprends vite fait parce que je viens de penser à quelque chose. Alors, vu que je suis obligé de lancer la partie en multi parce que sinon ça fait fusionner toutes les fermes et je me retrouve avec un peu plus de 50 millions. Voilà. Donc, pour le coup, on va éviter de faire ça. Je vais recréer notre ferme. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va l'appeler concession. Hop. Et la ferme. Je vais la rejoindre. Je vais lui mettre un budget de 1 million, je pense. Et je vais permettre de louer, enfin,
de prêter du matériel, parce que regardez. Il n'en peut plus le masser. Hein. Là, franchement, il n'a qu'une envie, c'est de se suicider. Il n'a qu'une envie, c'est ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire, hop, on va le larguer là. Toi, tu poses ça là. On va ranger le masser bien sagement à la ferme. Pour le moment. Parce que bah il met d'aucune utilité. Au contraire, hein, c'est un tape-cul pour l'instant. Avec le matos qu'on a. On va voir si on peut pas l'améliorer niveau puissance moteur, mais je crois qu'on est déjà au max. Alors, le masser. Configuré. Je suis à 280 chevaux. Je suis au max. Hein. 280 chevaux, il galère le petit, le titi. Hein. Je dis ça. Voilà. Donc, on va le ranger là. Ils sont très bien là. Il pourra faire de l'autre boulot. Il pourra faire de la presse, il pourra faire du semoir. Mais limite de la charrue, il peut en faire. Mais enfin, du coup, du décompacteur. Mais autre chose, il peut pas. Donc. Bon, c'est pas que les chantiers, il faut qu'ils avancent, mais il faut qu'ils avancent. Donc, toi, tu zagues, hein, tu vas au boulot et tu fais pas chier. Hop, on va te mettre. Non, j'ai décalé, je vais te mettre là-bas. C'est beaucoup plus simple. Tu vas te démerder après ça. Hop! Parce qu'il va commencer à me les briser sinon. Hop! Allez, hop, tu pars. Alors, faut que je me mette les droits sur la fin de la concession. Donc, ce que je vais faire. La concession, oui. Là, ma ferme, autre statut sous-traitant, oui. Hop, voilà. Comme ça, là, on va pouvoir acheter un, ma... enfin, acheter un tracteur qu'on va prêter pendant un épisode. Genre, à chaque épisode, j'ai le droit à un prêt de tracteur. Pourquoi pas? Enfin, peut-être pas à chaque épisode. Peut-être pas à chaque épisode. Tous les 5 ou 10 épisodes. Ce serait pas mal. Alors, non, peut-être pas du petit tracteur. On va prendre du gros. Alors, moi, j'ai du gros. Qu'on prend jamais. Donc, je vais regarder ce qu'on a. Tu m'assais. Écoutez, je prendrais bien le petit case. Le petit case, hein, un petit case Optum de 375 bourrins. C'est ça qu'on veut, quoi. C'est ça qu'on veut. Hop, on va prendre large plus masse. Donc, on l'achète avec la concession. On le prête sur notre ferme et on le revendra une fois qu'il est terminé. Donc, théoriquement, si je fais ça. Je peux me TP de droit. Voilà, impeccable. Alors, pas ouf, faute l'action. Je m'attendais à beaucoup mieux. Bref, trêve de bavardage parce que bah, y a encore de l'accéléré à faire. Bah, les tartines. 60 km/h. Mon Dieu. Bref, c'est pas le tout, mais après la vidéo, il va pas y avoir beaucoup d'accéléré, il va y avoir beaucoup de paroles. Après, je sais pas si vous aimez bien aussi, vous me dites en commentaire, n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire. Je lis tous les commentaires. Je les lis absolument tous. Donc n'hésitez vraiment pas. Hein. Si vous avez une question, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à la poser en commentaire. L'espace est là pour ça. Ou à venir me la poser sur le Discord, dans le salon où tout le monde peut parler, tout simplement. Bref, on va essayer ça tout de suite, vu qu'on est arrivé là. Là, ici, il va falloir que je fasse un truc le temps que les ouvriers bossent un peu. Parce que bon, c'est pas tout, mais voilà quoi. Hein. C'est bon. Alors, toc. Donc, je paierai, je sais pas moi, un pourcentage. J'irai, on paye, je sais pas, 1000 euros à chaque fois ou 2000 euros. Dites-moi en commentaire comment qu'on paye à chaque fois pour se faire prêter un tracteur comme ça. À chaque fois qu'on le fera dans un épisode. Comme ça pourrait être pas mal à savoir. Et ça pourrait nous permettre d'avoir du matériel là, en réduction et de pouvoir l'acheter par la suite. Hop. On va prendre la petite masse. Et on va la mettre à l'avant du case. Toc. Hop. Hop, voilà. Bon, je sais plus si ça va changer grand chose. J'ai vu le poids qu'il y a au cul. Ça ne va pas changer grand chose. Bref, déjà, il galère beaucoup moins. Le 2, s'il ne galère pas. Pourquoi je peux pas mettre d'ouvrier? Attendez. Hop. Mais pas accès à ce terrain. What? Ah, mais oui, mais la concession. Faut que j'y mette les droits aussi. Et oui. Concession, sous-traitant, oui. Voilà, là, ça fonctionne. Bref. On repart en accéléré, on se retrouve une fois qu'on a tout fini, le chantier de travail du sol et ce sera pas mal pour cette vidéo.
Bon, du coup, j'en ai profité pour m'avancer un peu sur le montage, donc j'ai encore 10 petites minutes pour vous parler, donc ça va être cool. En attendant, je balade mon cheval. Oh, je rigole, on va le rentrer, on va le rentrer. Et on va. Oula, c'est fermé par ici, on va passer derrière le bâtiment. Hop. Ah, là, ici, c'est ouvert. Hop. Alors, c'est pas facile à manœuvrer un cheval, hein, vraiment. Pour ceux qui ont l'habitude, mais c'est vraiment pas facile. Mais c'est vraiment pas facile. Hein. Et, oula, je galère. Je crois qu'on va laisser l'ouvrier se charger tout seul. Hop.
Voilà. De retour à l'écurie. Alors, on va acheter une deuxième batteuse. Parce que bon, une, c'est bien. Deux, c'est toujours mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai plein d'options. J'ai 170 000 euros. Il y a moyen de faire quelque chose. Alors, on va acheter une moissonneuse. Je ne sais pas encore laquelle exactement. Alors, on a celle-là, mais je ne sais pas si on est barre de coupe. Ouais, 5 mètres. Je ne peux pas aller loin avec ça. Alors, on a ces, bah, ces deux lodges là. Ça, c'est sûr, on a ces deux là qui peuvent être possibles. En plus, ça a une belle capacité. Un peu cheaté, je trouve, mais on a une belle capacité. Ensuite, on pourrait avoir la médium. Et je sais pas quelle barre de coupe lui mettre. On aurait quoi? On aurait la jeune dire. Bon, là, sur les loges bretons, donc on va pas la reprendre. Celle-là, peut-être. Combinaison, on a eu 5 mètres 5, ouais, c'est compliqué. On enlève celle-là. Simulé de capacité, on pourrait lui mettre une barre de coupe de 8 mètres 6, ça pourrait être pas mal. Par contre, son chariot-là est 8 mètres 6, j'y crois moyen. De ce chariot, on va pas se faire chier avec. Je vous le dis, l'ATX 65, c'est mort, on oublie. Donc, soit celle-là, j'hésite encore, hein. Soit les deux. Cases. Alors, j'ai pas envie de partir sur les deux cases parce que niveau capacité, elles en ont beaucoup plus pour le même prix que l'autre. Donc bon, à 12 000 litres, c'est pas négligeable. On peut lui augmenter la puissance moteur en 305 chevaux. Moi, je pensais partir là-dessus, hein, vraiment. Configuration des roues, elles sont très bien comme ça. Après, c'est des gros boudins. J'aime bien les gros boudins comme ça, mais c'est un peu gros là. Le logo, on s'en fout. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Side. Ah, ça doit être à l'arrière. Ah, c'est ça. All, wow, on va le mettre. La buse, on va prendre une longue buse. Pour le prix, vraiment. Et hop, on va mettre ça en couleur noire. Parce que comme ça, moi, ça fait pas une machine toute rouge. 74 000 euros. Il nous reste des sous. Alors. On va pouvoir peindre la barre de coupe. J'espère avoir ce qu'il faut. On a ça, on a 8,5 m. Je pense que ça pourrait le faire. De toute façon, on va pas avoir grand-chose d'autre, je crois. Bon, bah, ça va partir sur des 8,5 m. Ouais, on va partir sur celle-là, 48 000 euros. 8,5 m, ça devrait faire le café. Et il nous reste 50 000 euros qu'on va garder. Parce que, bon, on va en avoir besoin. Et vous avez dû voir, j'ai arraché le petit bout de parcelle en herbe qu'il y avait là pour raccorder avec ce champ-là. Comme ça, on a fait des plus grands champs. Alors, dans ce que j'ai prévu, ici, on va faire du blé dans les deux champs-là. De l'avoine dans les deux champs-là. Voire peut-être même dans celui-là aussi. Histoire de combler un peu le manque. Parce que là, bon, ça fait quand même deux grandes parcelles. Là, on a 22, 23 et 16. Là, on a celle-là. Parce que la carte que j'ai pris pour utiliser chaud, c'est dommage, j'aurais peut-être dû faire autrement, mais tant pis. Là, on a celle-là. Celle-là en avoine. Plus celle-là, j'ai, c'est pas déconnant. Et celle-là et celle-là en colza. Sûr qu'on fasse un peu d'argent aussi. Et il fallait qu'on achète aussi un truc. Parce que les poules ont commencé à produire des œufs. Donc, je vais l'acheter. Je sais pas si j'ai encore, j'espère. On a celle-là, voilà. C'est là qu'on pourrait avoir. Et il va falloir que j'achète ça aussi. Alors, on va l'acheter tout de suite. Ah, non, bah non, je veux pas celle-là, en fait, du coup. On va prendre celle-là. Hop, celle-là est très bien. 12 000 euros. Hop. Et on va acheter le truc pour faire nos prélèvements. Donc, à 17 000 euros. Et là, bah, ça y est, on n'arrive pas à plus d'argent. Mais c'est pas grave. On en a besoin, c'est important. Ah, non, je peux pas mettre ça sur le petit. C'est dommage. Du coup, ce que j'avais. Comme ça, voilà. Hop. On va démarrer, on va laisser chauffer un peu. On va faire un F12 pour les téléporter à la ferme. Alors, dans le doute, je vais mettre dans le champ. Je préfère. Toc. Toc. Et alors là. Bon, vous m'excuserez pour le réalisme, hein, mais on essaie de le faire au mieux. Hop. Ouais, je l'ai décalé un peu trop. 8,5 m, ce serait pas déconnant. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Et il faudrait voir, j'aimerais bien la tester. On pourrait faire une mission. On pourrait tester, je sais pas si une mission de récolte. Ouais, 6, 7 000 euros dans le champ 8, 15 000 euros. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Le champ 8. Alors, est-ce qu'on pourrait tester ça? Ouais, la vidéo. Champ 8. Champ 8, champ 8. Ça peut être par ici. Champ 8, il est là. Donc, ouais, ce serait pas mal. Voir. Wow, on va peut-être pas la tester. Oh, la barre de coupe, elle est énorme par rapport à la batteuse. On va baisser les rabatteurs. Hop, on va se TP parce que sur la route, on est peut-être un petit peu large. Voilà. Hop. On va ranger ça à la ferme. Donc, la nouvelle batteuse est arrivée. Quoi que non, je vais peut-être la laisser dans le champ. Ouais, on va laisser dans le champ. On va laisser dans le champ pour le moment. Hop, ouais, très bien. On va aller mettre ça à côté des poulets. Les poules. Donc, voilà. Ça reste là. Et on va atteler ça sur le petit jeune dire. Hop. Allez, on va dételer les pandas en vrai. Et on va les faire là où on a besoin de faire nos prélèvements. Donc je vais revérifier. Mais on sait partout où on a créé des champs. Je kiffe son bruit par contre. Il fait un bête de bruit. Hop. Là. Hop, comme ça. Alors, on va essayer de passer. Ah non, maintenant, ça sera en collision, donc c'est mort. On va pas essayer de passer par-dessus ça. Hop, on va le déplier. Et on va voir, on a besoin de faire nos prélèvements. Il n'y a pas énormément d'endroits, en fait, finalement, ici. Alors, on va peut-être essayer. On va se placer pour essayer de pouvoir prendre. Ouf. Ah non, ça va être compliqué. Franchement, ce prélèvement ici, c'est dommage. Hop. Oh. B, tu m'actives ça. Alors, il y a peu de prélèvements qui nous manquent. On les aura au prochain épisode, hein. C'est pas non plus un drame. Faut que j'en fasse dans le champ à côté, là il m'en manque. Faut que j'en refasse du coup. Allez! Voilà, impeccable. On va relever pour éviter de l'abîmer trop. Ensuite, il y a pas mal de champs, on va faire des prélèvements quand même. Hein. Faut pas croire, mais il y a un petit bout, j'ai recréé dans l'autre champ aussi, là, on a toute la longueur là. Hop, on va essayer de se mettre pour en prendre le plus possible, même si on prendra pas tout. Non, ça va être compliqué de prendre tout, malheureusement. Donc, il y a une machine qui descend si jamais dedans. Je sais pas si vous pourrez voir. C'est en fait, ça remplit des petits bacs qui sont là de terre et qui sont envoyés au labo pour analyse pour savoir bah, ce qui a été fait dedans, etc. Et comme ça, on a beaucoup plus d'infos sur nos champs, comme le type de sol, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Toujours bon à prendre parce qu'on en a besoin. On en a besoin malheureusement. C'est comme ça avec le précision farming. Toc. Alors ici j'ai pas besoin d'en faire normalement. Faut que je refasse là-bas où j'ai fait le chemin. Faut que je repasse par ici. D'ailleurs ici on va peut-être pas s'embêter. Toc. Acheter des informations. Oui. Ça coûte pas bien cher. Et comme ça là on sait que. Hop, ici, faut qu'on reprenne. On reprenne par ici, juste pour la petite bande. Hop. Ah, j'en avoir deux à faire. Mais moi, j'envoie de prélèvement, moi, ça me coûtera. Donc, je préfère le faire acheter comme ça directement, même si, bon, ça passe dessus, en vrai. Ça aurait peut-être revenu au même niveau prix. Hop. On a le petit bout de chemin et on a un petit bout de parcelle à faire aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit cut, je pense, et on se retrouve une fois que j'ai fini les problèmes. Bon, du coup, comme vous voyez, il y a des endroits où ça me dit que je n'ai pas accès au terrain. Alors, moi je dis qu'on va faire un truc. Alors, vous voyez, il faut que j'achète la parcelle qui est tout autour pour y avoir accès. J'ai pas chaud. Alors, 18 655 000. Je pense qu'on va se la give. 55 000. Hop, on va se la give cette parcelle. On va pas avoir le choix. Vraiment, pour le coup, on n'a pas le choix. Sinon, je ne peux pas faire les prélèvements. Et du coup, ça va me permettre de ragrandir le champ là où j'ai coupé. Mais bon, c'est un épisode où je ressens off, hein, c'est pas bien grave. Du coup, voilà, je vous ai repris là juste pour ça. Il me reste un prélèvement à aller faire un peu plus loin. Mais ouais, j'ai pas le choix. On va se les give. De toute façon, on ne l'achètera pas cette parcelle-là. J'en ferai rien dessus. À part là, bon, j'ai agrandi un peu un champ. Mais bon, 18 millions, quoi. Non, mais c'est tout. Juste 18 millions. Ça pose les bases, ça pose les termes.
J'en fais rien. Ouais. Je peux m'amuser à aller créer des trucs, des champs dessus. On pourra peut-être poser des usines, pourquoi pas, mais on paiera un pourcentage de parcelles. Et puis c'est tout. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hop, donc là, on a un petit bout normalement par ici. Voilà, tout simplement ici. Ouais, c'est quoi le petit bout qui me manque là-bas? Voilà, hop. Alors, du coup, on aura fait 10 prélèvements logiquement. Non, 9, 9. En fait, il est compté directement. On va le replier. On va envoyer les échantillons au labo qu'on va recevoir très prochainement. Mais cet outil va nous être très utile. Parce que, bon, à mon avis, ça ne va pas être la première. Enfin, les seuls champs que j'ai regroupés, donc on en aura besoin assez souvent. Ensuite, ce qui est de la suite de la carrière, je pense qu'on investira sur le prochain site d'ici 5-6 épisodes, je me donne. Ce serait pas mal, je trouve. D'investir sur le deuxième site, donc qui sera le site des moutons. Clairement. Hop. On va foutre ça ici. Ah oui, je voulais acheter un télescope aussi. Ça va être compliqué. Je voulais acheter un télescope. Bon, on verra à la prochaine récolte. Au prochain épisode, on va semer. Oula, 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 attendez. On va peut-être charger un peu les œufs qu'on a dans l'espèce de remorque qu'on a aussi. L'espèce de remorque, la remorque pour les œufs. Ce serait pas mal. Faudrait que j'arrive à en trouver une en mode. Si vous en avez, si jamais, alors j'ai bien si jamais, vous en avez une en mode, n'hésitez pas à me donner, à me dire où le lien et le nom si vous pouvez. Ce serait cool. Comme ça, moi je vais la réupload. Donc je vais la télécharger pour modifier un peu la capacité. Alors, hop. Oui, bah. Hein? Bon. Hop, on va prendre les œufs. Théoriquement, si on les met là. Ah non, à l'autoload pas celle-là? Ok. Bon, bon, c'est bon à savoir. C'est là qu'elle autoloadait. Ah, voilà. Ouais, éveillé, j'ai pris. Wow! Mon Dieu! On va y aller un peu plus doucement. Hein. Là. Si je les mettais comme ça, j'en mettrais pas plus. Non, bon, non, c'est mort. Toc. Bon, on va les mettre comme ça dedans. Ça ira très bien. On va essayer d'aller un peu moins vite avec le speed player. Ah, ça sort le pas. Ça va être emmerdant ça. Ouais, c'est plutôt emmerdant. Bon, tant pis. On va se débrouiller pour que ça fonctionne. Si ça se trouve, on changera par la suite. Et on prendra l'autre. C'est qui autoload, hein. Du coup, ça sera tranquille, je pense. Hop. On en met pas mal, mais je crois qu'on en met plus dans cette qui autoload. Donc, ouais, on verra bien, on verra bien. Hop. Tac. Oh, bah, j'étais plein les palettes. Impeccable ça. Ouais, on va pas en mettre beaucoup, non. Bon, par la suite, on investira peut-être dans autre chose, hein. Parce que bon. Je sens que première boss, ça va être au bordel, non. Ouais. Nous, on se laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à t'abonner, à liker. Enfin, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand je pose des questions. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.